Les bourses européennes évoluent en nette baisse ce mercredi. L'annonce des représailles chinoises pèse sur les marchés. Les investisseurs craignent de plus en plus une guerre commerciale entre Pékin et les États-Unis. Ainsi, 3 heures avant la clôture des marchés parisiens, le Stoxx 600 perdait 1,17% à 364 points. À Londres, le FTSE perdait 0,67% à 6 983 points. À Francfort, le DAX perdait 1,62% à 11 808 points. Et de son côté, le CAC 40 perdait 1% à 5 100 points. Du côté des plus fortes hausses, sur l'indice parisien, 3 heures avant la clôture, nous avions L'Oréal, plus 0,52% à 184,35 €. Et Engie, plus 0,40% à 13,72 €. À la baisse, en revanche, nous avions ST Microelectronics, moins 3,82% à 16,76 €. Et ArcelorMittal, moins 3,35% à 24,81 €. On termine avec le marché d'échange. 3 heures avant la clôture de Paris, 1 euro valait 1,2292 $ et 1 dollar s'échangeait pour 106,14 yens. À la Bourse de New York, c'était Marie Gintrick pour Trading Central. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.